Don't love me quietly. Do it with intensity. Et bien bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos, bienvenue pour, je pense, le dernier épisode 007 Nightfire, l'aventure suivie sur ce fameux James Bond. Je pense que ça va être le dernier épisode, puisque dans l'épisode précédent, ce que l'on avait tenté de faire, du moins ce que l'on a fait déjà, on a terminé la mission en eau trouble, puis une île peu pacifique, puis on a vite fait commencer la mission compte à rebours. Une mission que j'ai fait un peu au schnapps, hein, je dois l'avouer, ça a été un petit peu n'importe quoi. Je l'ai fait un peu à la zeub, parce que je ne me souvenais plus de la manière avec laquelle il fallait réaliser cette mission. Je ne le savais plus. Mais là, pour le coup, ça m'est un petit peu revenu, donc on se lance directement. Je n'ai rien vu de là-haut. On va passer à la cinématique, hein, parce que vous l'avez déjà vu de toute façon. On va essayer d'aller assez vite, tout en essayant de faire le moins de conneries possible, parce que comme vous avez pu le voir, une fois que l'alarme est déclenchée dans cette mission, c'est quelque chose d'assez tendu. Hop là, c'est quelque chose d'assez tendu à tenir. Donc pour le coup, plutôt que de faire le con et d'ouvrir la grande porte là-bas, comme ce que j'avais fait dans la vidéo précédente, cette fois-ci, on va directement aller par là. Ce qui fait que pour le coup, je pense que je ne serai pas repéré. Ensuite, je crois que je me suis trompé d'endroit. Si jamais je voulais vraiment être discret, je crois que ce n'est pas par là qu'il fallait que je passe. Là, il fallait que je crois que je reste par ici, il me semble. Voilà, il fallait que j'aille là direct. Donc hop là, monsieur Foulcan. Voilà, et ce qu'il fallait que je fasse, c'était désactiver les caméras de surveillance. Chose que je n'ai pas faite. Avant de continuer à m'aventurer, hop là, voilà, système de caméra déconnecté, et comme vous pouvez le voir, ici il y avait un écran, dans l'épisode précédent il y avait un écran ici, qui montrait les caméras de sécurité, ici, elles n'y sont plus, et même celle-là, elle était activée, comme vous pouvez le voir, c'est désactivé, c'est normal, on a désactivé les caméras de sécurité. Donc du coup, il va falloir passer par là, toujours en essayant de rester le plus discret possible. Hop là. Pour l'instant, tout se passe bien. On essaye de rester discret. Restons un petit agent Bond. Sauvegarde du système laser. Il me semble que ici aussi, j'ai quelque chose à faire. Monsieur, le mec, il voit que plus rien ne fonctionne. Il reste devant. Hein. Le mec, il ne bouge pas. Il y a des parasites sur l'écran. Mais je suppose que c'est normal. Ici aussi, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Eh ben, avance. Non, il n'y a rien. Ah, si, là. Voilà, il y a des systèmes. Un système. Putain, je me trompe de touche à chaque fois. Il y a le... Hop là, système de sécurité laser déconnecté. Là, cette fois-ci, on va pouvoir avancer un petit peu plus sereinement et tranquillement. Parce qu'il me semble encore une fois qu'on peut véritablement rester discret pendant toute la partie. Hein. Alors, ça ne sert à rien d'aller là-bas parce que c'est de là d'où je viens. Donc on va continuer. Hop là, on va continuer à essayer de rester en mode discret. Ah, donc lui, c'est capoute. Il y a un autre mec à côté qui n'a rien vu, évidemment, parce que fuck you. I'm a cat, je suis une IA. Le reste, je m'en branle. Et déjà, ça se passe quand même déjà un peu mieux. Comparé à la dernière tentative. Chico se trouve dans le couloir
point A8. Ah, au moins, Kiko... Non ! Non, non, non. Non, mon grand. Donc lui, il a sorti son flingue, ça veut dire qu'il m'a vu. Heureusement, il n'a pas eu le temps de déclencher l'alarme. Donc, avançons. Couloir A8, elle m'avait dit. Ce n'est pas par là, c'est par ici. Oula. Voilà. Suivant, une flèche dans la nuque quand même. Putain, ça doit... Ça doit tellement faire mal. Kiko est maintenant dans le couloir A12, il me semble, mais il faut faire gaffe. Parce que je ne sais pas vraiment où sont placés les gardes. Hein. C'est à certains moments, je le sais, mais... La plupart du temps, c'est tendu. Couloir A12. Donc, allons-y. Monsieur là-bas, c'est bye-bye. Oula! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Le mec, il a eu une... Il a eu un espèce de retard dans son animation. Là, on va essayer. Hop là. Les disques. Chut! On se tait! On se tait, gamin! Et on meurt en silence. Kiko est dans le couloir A16. Je crois que c'est ici qu'il y a l'armure. Oh fuck! Ouh! Alors, bonjour messieurs. Enfin, monsieur. Ouais, d'où? D'où? Comment ça? Comment ça, je l'ai pas eu? Enfin bon. Système d'alarme, on va le dégager. Voilà. Impeccable. Et c'est une petite astuce de bonde en plus, parce qu'effectivement, on n'est pas obligé d'y aller. Mais bon, moi j'y vais quand même. Kiko est presque arrivé au centre de contrôle. Dépêchez-vous. Oui, bah écoute, je fais ce que je veux. On va... Merde. Voilà, on va réouvrir l'armurerie et se refaire un petit peu... Un petit plein. Ah ouais, déjà cette mission, elle se passe un petit peu mieux. Hein. Comme quoi, vous avez vu, le mode bourrin, c'est pas spécialement ce qu'il y a de... Ce qu'il y a de plus intéressant dans ce James Bond Nightfire. Allez, mon grand. Q, comment ça marche, votre décodeur? Do some shit. Appuie sur tous les boutons et ça passe. Vous êtes sûr? Oui, oui, j'ai essayé avant-hier. Tu peux rouler ta tête sur le clavier. Je te jure, ça passera. Et pourquoi j'ai pas juste à attendre? Ah, parce qu'il faut appuyer sur les boutons. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, grenade, 4 unités. Les 4 unités, on va essayer de les garder pour l'instant. Hop là, il n'y a plus d'ennemis ici. Il va y avoir une cinématique. Cinématique que l'on va passer parce qu'on la connaît déjà. Déjà vu. Oui, oui, mais je sais. Il y a un truc là. Alors, c'est système d'alimentation. C'est con parce que le système d'alimentation, on peut... on le désactive, mais il y a tout qui explose après. C'est genre, je comprends pas pourquoi. Enfin, bon. Ouais, on va prendre les gros, tiens. On va prendre les grenades pour déglinguer ces gens, là. Excusez-moi. Allez, fais tout péter, ma grande. La porte va exploser aussi, et quand la porte va péter... Vous pouvez franchir cette porte. Elle donne sur le secteur Delta. Vite ! Y'a personne ? Oh ! Les ennemis ? Oh, y'a personne, eh. Comment ça se fait, ça? Ah! Ils sont là! Non, parce que je me disais bien, là, il y a un truc qui allait pas, là. Je dis, attends, j'ai bien été discret, mais bon, là, j'ai quand même tout fait péter, là. Et putain, je lui ai tiré dans la tête, le mec, il n'a rien. Lève-toi! Debout! Mais putain, les headshots qui fonctionnent pas! Tiens, voilà! Oh putain! Putain, je suis trop... Trop à découvert. Non, tu ne vas pas lancer ta grenade à la mort moelle-neuve. Il n'a pas eu le temps de la lancer, hein, j'espère, hein, parce que... J'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise. Ah, donc, le Brook est là. Et là, du coup, on n'a plus besoin d'être discret parce qu'on ne le sera tout simplement plus.
Un au moins. Je crois qu'on en récupère, voilà. Donc on va continuer à avancer. Fuck ! Pillage ! C'est aussi full camp. Voilà, on en récupère. C'est eux qui nous en donnent, des greux. Fous-moi le camp. Voilà. On avance, on avance. Bonjour, messieurs. Bon, tu es mort, rassure-moi. Viens. On continue d'avancer. Et là, il devrait y avoir Brooke, quelque part par ici. Il n'y a personne qui me suit. Hein. J'espère pas. Hein. Ça va m'énerver. Hein. Non, Brooke n'est pas là pour l'instant. Vous crevez. Il dit vous crevez, nom de Dieu. Putain, merde, 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 merde. Petit con. Il crève. Le mec qui me défonçait par derrière, quoi. Salopard. En tout cas, ça se passe un petit peu mieux que... attendez, avant de continuer, on va faire un petit détour. Vu que normalement, ce jeu est bien codé. Donc normalement, les ennemis ne repopent pas. On n'est pas timé. Donc pour le coup, on va en profiter. On va en profiter pour retourner à l'armurerie parce qu'il y a une... voilà, un gilet pare-balles, une armure. Au moins, on sera un petit peu plus protégé et je risque... J'ai essayé de faire gaffe de pas me faire défoncer par la porte. D'où tu sors, toi? Mais toi aussi, d'où tu sors? Il n'y avait plus personne. Oh, bande de sacs. Vous êtes où? C'est pas par là, c'est par ici. Ou alors, peut-être que je les ai pas vus, j'en sais rien, mais... pas fait gaffe. Mon petit con, tu crois que je t'ai pas vu? Qu'est-ce que c'est que ces insolents? Hop là, c'est bon de qu'on part. Oh putain de Dieu. Alors là, faut que je fasse gaffe. Hop là, parce qu'il va y avoir Brooke. Alors, et Brooke, il faut le défoncer. Lève-toi. Alors, faut que je fasse gaffe. Comme je vous dis, il a une arme... là! Putain, mais... nom de Dieu, mais tu vas crever! Mais c'est quoi ce Reinhardt, là? Oh! Barrière détruite! Putain, mais le mec, il est encore en vie, quoi! Je crois qu'il est mort. Oh! Eh ben, putain! Putain, je me souvenais pas qu'il était aussi résistant. Ah, et voilà, et là maintenant on a le samouraï phénix, voilà. La fameuse arme laser qu'on a photographiée dans une des missions, si vous vous souvenez bien. Good. Et là, bah pourtant, la mission n'est pas terminée. Là, c'est le deuxième segment. On a pété la gueule à Brooke, il va falloir maintenant foutre une fessée à Kiko. Donc, allons-y. Bonjour. Putain, c'est très sombre ici, je ne vois rien. Ça a balancé une greux. Je ne vois rien. Merde. Est-ce qu'il est... J'ai failli me faire baiser par la porte encore. C'est impressionnant. Oh putain. Crevez ou... C'est bon, c'est passé. Ça m'en a tout l'air. Alors, ici, il faut faire gaffe parce que, comme vous pouvez le voir, il y a des pièges. Des pièges qu'il va falloir faire exploser. Un truc qui est bien, c'est si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ah, mais je vois rien, putain, c'est super sombre. Ah là, si on peut tirer. Hop là. Merde, je vois, c'est... ça a balancé une fumigène, je crois. Là, ça fait du bordel, hein, le... le laser fait un gros, gros bordel, hein. Alors, je ne me souviens presque plus de cette phase, en fait. Je crois qu'il faut passer par ici. Alors, attention, parce qu'il y a des pièges là. Voilà. Évidemment, ça fait... ça, c'est n'importe quoi. Ça fait péter le truc, mais pas trop quand même. Faut pas déconner. Et je me suis fait toucher, mais OMG. Et là, on peut y aller. Ici, hein, je crois qu'il y a toujours des gens. Voilà.
C'est pratique quand même, hein, le fait de pouvoir tirer à travers la vitre. C'est surtout réaliste d'ailleurs. Il y a des jeux récents qui n'ont pas ce... Il y a des jeux récents qui n'ont pas ce sentiment du détail. Bonjour monsieur. T'as pris... Putain mais... Mais comment les mecs peuvent-ils survivre par un shoot de laser? C'est censé te transpercer complètement, nom de Dieu. Je crois qu'il y a une autre personne. Lui, voilà, le petit headshot des familles. Donc je crois que c'est bon. Par où faut passer maintenant? Je crois qu'il faut passer par ici. Ouais, mais voilà. Faut sortir. Parce qu'on balance une grue qui fait tout sauter. Putain. Ouh, la tête magnifique. Bonjour messieurs. Voilà. Y en a-t-il d'autres qui veulent négocier? Oula. Qui veulent négocier? Je crois que oui. Je crois qu'il y a des gens qui veulent négocier à coup de lance-roquette. C'est ici qu'il faut que je passe. Non, c'est juste pour un arsenal ici. Juste pour récupérer un petit peu de munitions. C'est pas ce qui va nous intéresser en premier lieu. Alors ici, il va falloir faire gaffe parce que... Voilà. Vous avez vu, il y a un espèce de petit truc à la con là. Hop là, donc. Hop là, on fout le camp. Putain, mais d'où ça me touche, sans déconner. C'est bon, il est mort. Parfait. Le piège est défoncé. Putain, voilà. Salopard. Oh putain. Non. Foiré. Attention, la gre-gre. Mais je peux vous avoir de là, moi, hein, bande d'enfoirés. Voilà, t'as lancé ta dernière grenade. La grenade de l'espoir n'aura pas suffi, mon ami. Donc, on continue, il n'y a rien à voir de ce côté-là. Hop là, un petit piège, on peut passer par en dessous. Je crois que j'ai pas besoin de le défoncer. Oula. Voilà. Ne jamais se mettre à côté des... Hop là. Ne jamais se mettre à côté des tuyaux, mon grand. Enfin, pas des tuyaux, mais des tonneaux. Surtout si t'as du C4 dans le tonneau. Alors, je crois que c'est bon. Ouais, ça m'a l'air d'être bon, on avance. Ici, oh, il y a une armure. Il y a une armure, mais vous savez quoi? On va la choper. On va la choper parce que moi, la mienne, elle est fatiguée. J'ai plus que le petit brassard sur l'épaule gauche. L'armure, c'est un petit peu... Voilà, merci. Donne-moi ça, demi-tour. Et je crois qu'on est bientôt à la fin de cette section. Oh putain. Faites chier. Ferme la porte. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Mais d'où ça me touche, putain de Dieu. Mais... Oh. Je crois que là... Hop là, je peux passer tranquille. Oh putain. Ah. Putain. Je me prends des dégâts gratuits, c'est chiant. Toi la ferme. Toi la ferme aussi. Couchez-vous. Here comes the J. James Bond est là pour vous botter le cul. Alors ici on ne peut pas y aller, donc je crois que... Ah bah secteur Omega, oui, on arrive dans la dernière section. Voilà. On arrive dans la dernière section. Et vous avez vu, on est déjà à 20 minutes de vidéo, donc cette mission est vraiment longue. Cette mission est vraiment longue et en agent 00 d'ailleurs, il me semble que c'est la plus difficile. C'est la mission la plus difficile en agent 00. Donc là, on entend le petit Drake. Alors, ouvre la porte. Est-ce que je peux te défoncer? Ah non, je n'ai plus le... Merde. Mais... Oh. Voilà. Truc dans la tête. Alors là, hop là, les réflexes. Faut que j'aille ici. Couché. Voilà. On se met à couvert. Putain de Dieu. Voilà. Toi, je t'ai eu. Ensuite. Merde. Putain, mais qui c'est qui me touche? Lui là-bas. Mais tu n'es pas à couvert, mon grand.
une temporaire de sécurité. Il y a quelqu'un ? Waouh ! Là-bas ! J'ai vu ! Oh, salopard ! Il s'est couché quand il fallait, hein ! Mais qui me tire dessus, nom de Dieu ! Il y a quelqu'un ici ? Mais arrête de tirer dans les caisses, ça ne sert à rien, mon ami ! Mais... Oh ! Je vais pas jouer au jet, au chat et à la souris longtemps avec ta gueule ! Putain ! Donc je crois que là, il faut que je monte. Cette map, d'ailleurs, est une map multijoueur, si jamais vous vous posez la question. Cette grande arène, là. Elle est vraiment jouissive, hein, d'ailleurs, cette map. Elle est vraiment cool. Est-ce qu'on peut passer... C'est pas par là, hein, mais je regarde ce qu'il y a. S'il n'y a pas une armure cachée ou je ne sais quoi. Apparemment, non. Apparemment, non. Non, 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 non. Peut-être ici. Ici, je crois qu'il y en a une, hein. Ouais, voilà. Ici, il y a une armure. On ouvre la porte. Et là, il y a des ennemis qui devraient arriver. Il y a je ne sais combien d'ennemis qui pop par ici. En gros, il faut attendre. Il faut attendre qu'il n'y en ait plus. Alors que je suis en train de faire un amas de cadavres. Ça n'a pas de sens. Putain, salopard. Couché. Y en a-t-il encore? Putain, enculé, le mec. Il... Mais d'où je t'ai pas eu? Oh! Là, il a rushé. Mais depuis quand vous rushez? Vous me faites chier pour la vidéo, c'est ça? Non, mais dites-le moi. Putain. Mais je crois qu'il pop à l'infini, en fait. Hein. Je suis en train de me poser la question. Ok, vous savez quoi? On va y aller. Merde, mais on... ouais, mais pour descendre, c'est par là-bas. Pour descendre, c'est par ici. Salopard, où est-ce que t'es? On va prendre ça, j'ai dû faire le plein de grenades, je suppose. Voilà. Voilà, vite, avant qu'il y ait... Merde, il y a un qui a popé. Mais d'où? Mais d'où? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Bon, il meurt pas. Voilà. Merci. Et à la prochaine. Il ne veut pas mourir, ce mec, non. Mourir n'est pas dans mon script, je t'emmerde. Oh la vache. Bonjour. Hop là, et là on va se faire un petit peu baiser. Oh putain, oui. Oh, je me souviens de cette phase, elle est horrible. Ah, cette phase est tellement infecte. Oh putain. Bon bah on va essayer de survivre, hein. Allez. Donc là, vite, il faut se foutre dans un abri. Voilà. Donc là, ça devrait le faire. On ne bouge pas pour le moment. Par contre, là, en gros, ça va être... ça va être un mode horde, presque. Ça va presque être un mode horde. Le problème, c'est que il va y avoir des ennemis, mais notamment, je sais pas si vous vous souvenez des ninjas. Hop là, grand flash blanc. Je sais pas si vous vous souvenez des ninjas de la mission, je crois, 4, qui était protection rapprochée. Et bien là, cette fois-ci, il y en a. Et il y en a plein. Et ils font chier le monde. Enfin, il y en a pas plein, mais... Regarde, c'est lui. C'est lui, tuez-le. C'est bon, il est mort. Et là, faut tuer les gens le plus rapidement possible. Donc, je crois que la première phase est faite. Je crois que la première phase, c'est bon. C'est fait. On va essayer de passer par là. Je sais pas, putain, je peux pas avoir de greux, j'ai pas de greux. Mais qui c'est qui me tire? Qui c'est qui tire là? Quel enculé qui tire? Dénoncez-vous, je veux un nom. Mais... Mais putain. Mais qui c'est qui tire? Nom de Dieu. Décollage dans 30 secondes.
Décollage, non, ouais, bah écoute. Avec l'autre salope de Kiko qui est là, en attente. Bah écoute, moi aussi je vais rester en attente, y a pas de raison. Voilà. Et si jamais l'autre enfoiré se montre, je sais pas qui c'est qui me tire dessus, hein. Franchement c'est... Va savoir. Donc là il me semble que c'est la dernière vague. Il y en a que deux, hein, mais je vous jure, cette mission en agent 00, elle est d'une horreur. Mais quelque chose de fou. Hein. C'est véritablement horrible. Parce qu'il faut tenir, tu te fais mitrailler dans tous les sens et ta vie, elle se fait sucer, mais... Oh là là. Alors attention, le ninja. Focus le ninja. Il est où le ninja? Il est le ninja. Mais tu vas crever, oui. Ah, putain, il est mort. Allez, ah, crevez, nom de Dieu. Mais là, on recharge pas notre plan, on fait tout. Ouh. Oh de Dieu. Et on a fini la mission. Début du compte à rebours avant lancement de la navette. Décollage dans 60 secondes. Et comment finir la mission? En la prenant tout simplement à son propre jeu, à cette pauvre gourde. Voilà. C'est vraiment une cruche, hein. James, je perds votre signal. Tout va bien? On peut dire que mon moral est au plus haut. Voilà, voilà. Quelle merveilleuse façon de défoncer la James Bond Girl. C'est parfait. Juste parfait. Cramé par une fusée de Dieu. Enfin, bon, bien. Donc, cette mission est faite. Et comme vous avez pu le voir, hein, on est à 26 minutes, 27 minutes de vidéo. Puis, c'est une mission qui était assez longue. Donc là, pour le coup, il ne manque plus qu'une chose. Equinox qui en soi, je trouve, est une mission pas top, vraiment pas top, parce que bah, ça se résume juste à un combat de boss, en fait. C'est presque uniquement un combat de boss. Il y a des petites vagues d'ennemis qui viennent à notre rencontre, mais ça reste un combat de boss. Le but étant de défoncer tous les missiles nucléaires que veut balancer Drake sur la Terre. Donc pour le coup... On y va, et c'est certainement la dernière mission de ce 007 Nightfire. On y go, cinématique. James, j'ai toujours accès au système de communication de Drake. D'après ce que j'ai intercepté, les troupes de combat de Drake ont pris la plateforme de défense. Il reste peut-être quelques survivants de l'équipage d'origine, mais je ne suis sûr de rien. Je peux vous dire que Drake a déployé un réseau de lasers défensifs qui est alimenté par le réacteur de la plateforme. J'ai vraiment apprécié notre collaboration, James. Soyez prudent. Ma call terminée. Oh mais y a pas de raison, ça va bien se passer. On est dans l'espace, tout va bien. Vous vous fatiguez pour rien, Bond. Je viens de verrouiller la séquence de lancement. Plus rien ne peut arrêter l'opération Nightfire. Pas même ma propre mort. C'est une théorie que j'ai l'intention de vérifier. Vous avez échoué misérablement. Amusez-vous avec mes missiles si ça vous chante. Pardon? Je n'entends rien, ça fait un de ces bordels. Soit dit au passage, le sound design OMG. C'est un truc de fou. Donc là, vous avez vu en gros ce qu'il fallait faire, sachant que c'est assez compliqué de se déplacer, parce que bah, on est dans l'espace, hein, donc du coup, vous voyez, on est carrément en apesanteur. Donc là, il va y avoir des vagues d'ennemis qui vont arriver, il va falloir les buter. Et en même temps que les vagues d'ennemis apparaissent... Hop là. Foiré. Faut vite toucher la tête, hein, parce que... Là, merci. Ceci étant fait, voilà, il y a un missile qui se met en marche.
Et quand le missile se met en marche, il va falloir défoncer le lanceur en fait. Je sais pas comment ça s'appelle. Oh merde. Ah oui, il faut faire gaffe parce qu'il... Mais merde, culé, ça je ne sais pas du tout comment le... Voilà, un en moins. Il y a trois mecs ici. Et en moins, le laser refroidit un peu, s'il te plaît. Voilà, le headshot, ça c'est fait. Et oui, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est que des fois, il tape... Enfin, il fout un putain de laser avec ça. Hop là. Voilà, magnifique. Là, celui-là, faut le... Merde. Allez. Là. Merci. Ensuite. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais... Mais merde, mais pourquoi... Échec de la mission. Mais attends, mais j'étais en train de voir. Mais comment ça se fait que le missile... Ah, il a eu le temps de lancer un missile, cet enculé. Putain. Bon, oui, vous avez vu, un seul missile et c'est marre. Hein. C'est terminé après. Hein. Oui, oui, on se fatigue pour rien, gros gros. Il est ici, au fait, hein, le salopard, hein, si vous le voyez. Sachant que c'est une arme laser qu'on a, donc... normalement, on devrait le défoncer, tu vois, un petit truc entre les deux yeux, comme je viens de le faire, là. Mais non. Voilà. Ta gueule, cette fois, ça ne marche pas. Bien. Donc... Rebelote. Voilà. Fous-moi le camp. Voilà, ils vont m'achever, oui. Comme t'as pu le voir, ils m'ont vraiment achevé. Donc voilà, donc ça c'est le truc que je me souvenais plus, c'est qu'il faut véritablement faire le focus sur les missiles, hein, et vraiment pas sur ces sbires. Oh putain. Et là, vous voyez, regardez le missile, là. Hop là, je me fais toucher, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a touché, ce salopard. Dans ta gueule, dans ta gueule, et dans ta gueule. Voilà, encore le missile. Ah, il m'a pas fait de dégâts cette fois. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne. Là, un autre en moins. Ces messieurs veulent négocier. Merde, putain, mais j'arrive. Là, merci. Il y en a un autre qui s'allume, celui-là. Voilà, un en moins. Voilà, il y en a deux autres, évidemment. Voilà, ça c'est fait. Alors il faut se placer sur les missiles. Hein. C'est vraiment les missiles qu'il faut fixer en premier. Allez, vite. Voilà, un en moins. Je me refais toucher par le laser parce que fuck you, I'm a cat. Ceci étant fait, maintenant, ces messieurs qui veulent négocier. Allez, vite. Putain, mais c'est... Le gameplay est quand même dingue. Vite. Voilà. Avant qu'il y ait un autre... Avant qu'il y ait les trois autres missiles qui pop. Voilà. Et là, ils sont en train d'être armés. Donc, je peux en profiter pour déglinguer. Voilà, au moins deux gars. Il est où, le machin? Il est là. Il est là, il est là. Allez, open. Open, sésamé. Voilà. Donc allons-y. Avec le missile, évidemment. Toi, ferme-la. C'était gratuit. Alors, sachant qu'il y a toujours un truc que je n'ai jamais compris. C'est... Hop là. Ça, c'est fait. Allez, vite, l'autre. Vite, vite, vite. Voilà. Good. Où sont ces autres enfoirés? Voilà, merci. Je crois qu'il y en a encore. Il me semble. Normalement, je ne sais plus. Il y en a plus ? Apparemment, il y en a plus. Merde, encore le laser de merde, là. Bon, il m'a pas eu. Une petite note que j'ai jamais compris. Bah là, pour le coup, c'est Drake qui va venir nous affronter. Et Drake, plutôt que d'avoir un laser comme j'ai, moi, il a un RPG. Il a un lance-roquette. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas, mais il a un lance-roquette. Voilà, ta gueule, c'est magique, je suppose. Donc là, on va essayer de le défoncer, lui. Où est-ce qu'il est, ce salopard? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là. Voilà, voilà. Oh! Putain, mais... Mais fuck!
salaud. Oh putain, je l'ai eu. Il est mort, ce con. Ouf. Et donc, eh ben, la mission est terminée. On a sauvé le monde, tout simplement. Mission accomplie, je vous laisse avec la cinématique. On se reprend plus tard. Agité, mais pas remué. Ou bien est-ce le contraire? Oh, ça doit être agité. Des astronomes du monde entier signalent des pluies de météorites imprévues. Bien joué, 007. Alors je suppose que M ne me refusera pas quelques jours de vacances? Nous allons laisser le volant au pilote automatique. Oh, James. Putain, ça doit être une expérience de fou, n'empêche, hein. T'imagines être à leur place, là? Baiser dans une bagnole sous l'eau, dans une dans une Aston Martin qui, je le rappelle, a un toit ouvrant. Autrement dit, on peut voir à travers le toit. Putain, ça doit être tellement génial. Dans la flotte comme ça, putain. Pouf. Ça laisse rêveur. Enfin bon. Donc on a terminé la mission. La mission Equinox. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec les crédits de fin. Écoutez, j'espère que ce let's play de 007 Nightfire vous aura plu. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire par la suite, même si j'ai ma petite idée, parce que si je calcule bien, on est à 5 épisodes. On est à 5 épisodes, donc normalement, je devrais avoir 5 semaines. Ouais, ça doit être bon. Donc je pense savoir quel jeu je vais faire. Quel jeu je vais faire pour le prochain let's play, pour la prochaine vidéo du mardi. En tout cas, écoutez, j'espère que ce let's play vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de le faire. La preuve, je suis allé jusqu'au bout. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai beaucoup de mal à aller au bout des aventures suivies. Je préfère faire des vidéos découvertes d'habitude, mais... Mais enfin bon, là pour le coup, moi je me suis bien amusé. Ce 007 Nightfire est quand même toujours aussi bon. Hein, je dirais, c'est... Pour moi, il a... Bon, c'est une mécanique qui est un petit peu vieillie, hein, ça c'est clair. J'ai envie de dire, il faut l'avoir en main. Putain, j'arrête pas de tousser, c'est chiant. Il faut l'avoir en main, évidemment, pour comprendre. Quand on l'a en main, on sent vraiment que le gameplay est un peu plus lourdeau, voilà, même la sensibilité de la visée est un petit peu plus lourde. Mais au-delà de cela, c'est un jeu qui respire l'esprit de James Bond. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai... Pour tout vous avouer, j'aimerais bien revoir ça. J'aimerais bien revoir ça, un de ces quatre, un jeu James Bond, voilà, qui se laisse aller, qui, avec un scénario bateau, je veux dire, le scénario, là, c'est quelqu'un qui veut conquérir le monde, ou je ne sais quelle autre connerie, mais, je veux dire, la mise en scène est bonne, il y a des bonnes idées, de level design, je veux dire, en termes de gameplay dans le jeu, les phases en véhicule sont plutôt sympas, assez bien codées, c'est pas parfait non plus, mais encore une fois, on est en 2003, je crois, attendez, je vérifie. Là, on était en quelle année quand t'es sorti, toi? C'est pas marqué? Ah, 2002! Ah, 2002! Ah, mais il est plus... Ah, mais ça veut dire Espion pour cible, il est sorti après? Ah, putain, ça c'est un truc que je savais pas, ça. Mais enfin, bon. Pour un jeu de 2002, franchement, il a pas si mal vieilli que ça. Évidemment, il a pris un petit coup de vieux quand même, parce qu'il a 16 ans. 16 ans quand même, putain, ça nous rajeunit pas ces conneries. Mais c'est toujours un aussi bon James Bond. Peut-être qu'on fera un de ces quatre, on fera Espion pour cible, qui sera un James Bond, je pense, bien plus rapide. Ce sera bien plus rapide de le faire. Mais
Enfin, on se fera ça, mais c'est vrai que ça manque. Les jeux James Bond manquent réellement. Et je parle bien des bons jeux James Bond. Pas ceux qui sont là uniquement pour gagner du pognon ou je ne sais quelle autre connerie, comme 007 Legends, par exemple, qui n'a aucun putain de sens, qui est naze, nul à chier. Franchement, c'est certainement un des pires James Bond auxquels j'ai pu jouer. 007 Legends. Parce que le GoldenEye sur Wii... Je le hais particulièrement parce qu'il prend beaucoup trop de liberté avec le matériel d'origine, à savoir le film ou même le jeu, mais il prend des libertés débiles, clichés, la réalisation n'est pas bonne, n'est vraiment pas bonne, hein, je veux dire, moi je n'aime pas la technique, la réalisation graphique également, je trouve que ça pêche un petit peu, après c'est pas trop grave. Parce qu'il y a des endroits qui sont plutôt sympas, mais hormis cela, je veux dire, GoldenEye pour moi c'est une honte, GoldenEye sur Wii, mais ce serait bien qu'un jour, je sais pas, un éditeur ou un développeur donne le feu vert pour un jeu James Bond, mais un véritable comme ce Nightfire, avec des phases d'action, des phases en véhicule, des phases d'infiltration, un gameplay intelligent qui nous donne plusieurs possibilités, je veux dire, c'est... J'aimerais bien revoir ça, un de ces quatre, mais bon, à mon avis, c'est pas près d'arriver. Parce que certainement que la licence James Bond n'intéresse pas les gens. Je veux dire, c'est vrai qu'en 97, quand GoldenEye est sorti, c'est vrai que ça intéressait vraiment les gens, la licence James Bond. Et pourtant, ils ont fait un jeu de fou, Rareware, à l'époque. Mais enfin, bon, il ne me reste plus qu'à vous laisser avec les écrans de fin. Alors, de mémoire, je crois qu'il y a un espèce de petit making-of. Je vais le passer. Pour pouvoir vous laisser tout simplement avec la musique de Nightfire, qui est vraiment excellente, encore une fois. C'est une composition originale. La musique de Nightfire, celle que vous entendez à chaque début de vidéo, c'est une musique originale, et franchement, je trouve qu'elle a... Elle également, je trouve que le générique, la musique, le thème principal de ce Nightfire respire l'esprit James Bond, en tout cas. Je trouve qu'elle est excellente. Mais bon, je vous laisse avec... Je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une vidéo, pour une nouvelle vidéo, putain je m'embrouille. J'espère encore une fois que ce let's play vous aura plu, je vous dis à plus pour un nouveau let's play, en attendant, bonne partie à tous, et ciao tout le monde!